on est obligé de marcher dans l'eau pour se rendre à domicile. Bon, vraiment. Mais on fait avec. Voilà, vous voyez. Donc vraiment, c'est pas facile. Voilà, mais nous remercions Dieu, puisque la pluie aussi, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Voilà, c'est pas par hasard. Dieu, il sait, il fait tout ce qu'il veut. Donc nous le remercions quand même. Marcher dans l'eau, un passage obligatoire ici à Gonzagueville, quartier Gestémané. Nous sommes dans l'un des endroits les plus reculés d'Abidjan. L'imam Sébri fait partie des premiers habitants de cette zone. Chaque jour, pour se rendre à la mosquée, il doit franchir des flaques d'eau qui longent la devanture de sa maison. D'ici dans un mois, deux mois, l'eau va commencer à partir totalement. Sinon, pour le moment, nous marchons encore dans l'eau. Et juste la mosquée, c'est tout juste derrière. Mais les fidèles ont des difficultés pour venir à la mosquée, y compris aussi les élèves aussi. Voilà, donc que Dieu nous aide. Même, les gens même ont du mal même pour aller même au travail. Voilà, les matins, on est dans l'eau comme ça. Voilà, donc que Dieu nous aide, Inch'Allah. La situation est alarmante pour les populations. Impossible pour elles de se rendre au boulot. Jean-Baptiste a une journée chargée aujourd'hui. Ce matin, il s'apprête pour le travail. C'est avec amertume qu'il nous raconte son calvaire. Donc c'est comme ça tous les matins? Ouais, tous les matins. C'est pas du jeu, hein. C'est pas du jeu. Tu vois, tout ici, c'est l'eau. Autour des maisons, tout est l'eau. Et puis ce qui est grave, il y a les serpents dans l'eau, tu vois. Ça, c'est des nids de serpents. Tout ça, là, c'est des nids de serpents. Les animaux vont se nicher dedans. Voilà ça. Voilà le calvaire que nous subissons ici à Gonzague. Même l'école là où nos enfants fréquentent là. Ça c'est une bonne école, mais regardez ce que la pluie a fait des murs. Regardez ce que l'eau a fait de la clôture. Regardez, c'était une clôture. L'eau a cassé ça. Et puis l'eau a envahi l'école. Regardez, l'eau a envahi l'école à telle enseigne que les enfants ne sont pas en sécurité. Parce que là, il y a les bêtes, les serpents et autres. Donc voilà, voilà. Vraiment. C'est un calvaire ici à Gonzac. En tout cas, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Ouais. Voisin, c'est comment? Et la matinée? Ouais, ça commence. Ah, et l'eau de Gonzac? Non, c'est la merde. C'est la merde, hein, c'est pas du jeu. Il a plu ici durant 3 jours sans interruption. 3 jours de pluie qui ont coûté cher à ce restaurateur. Il est désespéré. Ça, c'est mon coin, un petit coin que j'ai créé pour vendre les trucs, les bières que les gens viennent s'asseoir pour manger. Mais allez là, c'est guinzin, ouais, c'est gâté même. Tout là est inondé. Il n'y a pas de l'eau là. Quand l'eau là vient, vraiment, personne ne peut s'asseoir là. Donc vraiment, rien ne bouge, tant de pluie là. Tous les travaux sont arrêtés. Allez là, tout le monde à la maison. Voilà, c'est un peu chaud. Donc tu as perdu combien comme ça dans ton commerce? Bon, ça dépend. Je ne vais pas dire que c'est des millions, mais le peu que je gagne, j'arrive à me défendre avec. Voilà. Certains se sont retrouvés dans ce quartier par surprise. Ils ne s'attendaient pas à une telle situation. Pour la plupart, c'est le coût du loyer qui a joué. Quand je suis arrivé ici, il y avait des chambres salons de 30 000 francs, 40 000 francs, même 25 000 francs. Mais aujourd'hui, là, bon, avec tout ce qui se passe autour des démolitions, bon, beaucoup d'hommes se sont rués vers ce quartier-là, donc c'est ce qui a fait que les prix aujourd'hui ont commencé à grimper. Ces grosses flaques d'eau sur la route représentent un grand danger pour les populations. Elles sont un véritable nid de reptiles. Vous voyez ça? Quand il pleut fort, dans notre quartier ici, quand il pleut fort, l'eau prend partout. Et ces bêtes-là traînent dans l'eau. Donc pour la sécurité, surtout des enfants, si l'État de Côte d'Ivoire peut faire quelque chose pour remblayer les voies, remblayer les routes un peu, faire des caniveaux, sinon ces trucs sont très dangereux. Face donc à cette difficile épreuve, le déménagement est la seule idée qui vient à l'esprit. Voilà, vous voyez, un peu, donc on marche chaque matin.
Ça c'est une partie. Hein. Attends, il fait au moins 600 à 700 mètres. Et puis dans l'eau, on ne sait pas. Il y a les cellules, ça fait rien. Il y a beaucoup de serpents ici, Python. Ça, ils sont versés remplis. Vous prenez combien de temps pour arriver au goudron ou bien pour arriver au travail? Dites-nous. Bon, ici, Didier, au goudron, il met 20 à 25 minutes par jour. Imagine. En plus, dans cette eau-là, chaque matin, soir, au moins plus de 20 à 25 minutes. Et puis, quand on déménageait avec ce que j'ai vu, voilà, je suis tellement découragé. Les serpents que je voyais, maintenant, voir un crocodile ici. Donc voilà, je pense que là, c'est la goutte d'eau qui a dit. L'eau, source de vie, devenue source de malaise. Il faut montrer la route. Parce que ce n'est pas route. C'est-à-dire que c'est la lagune Hébrier qui est ici. On a problème de sortir. Ça fait presque 2 semaines, je ne vais pas au plateau ni quelque part. Parce que la pluie, ça tue. Vous avez vu le poisson sur ma tête? Allez là, j'ai chargé le poisson jusqu'aux deux poteaux. Il n'y a pas de voiture, la route est gâtée, les voitures ne rentrent pas. Nous, les femmes, là, on souffle, les papas souffrent, les enfants souffrent. L'eau, là, a gâté notre pied, là, tout. On ne peut même pas marcher. Ça veut dire où on est, là, on souffre. Venez nous aider, oh, venez à nous aider. Regardez ma tête, matin, bonheur, à 6 heures, là, je souffle, je transpire comme ça, et le poisson sur la tête. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de moto, il n'y a rien qui peut rentrer parce que la route est gâtée. Les populations demandent aujourd'hui le soutien des autorités pour qu'une solution viable soit trouvée.